Je n'ai pas dit que j'arrêtais la production, la production de logements sociaux. J'ai dit que je supprimais la loi SRU qui oblige la moindre petite commune de plus de 3000 habitants de faire construire des logements sociaux, oui. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs non, c'est une pas ce qui forte a permis augmentation du... des constructions et c'est ce de qui a, logements et c'est sociaux ce qui a permis, depuis 2000. Et c'est ce qui a permis que les ravages de l'immigration et de la violence se répandent dans toute la France. Moi, je veux arrêter ça. Donc, il veut supprimer Raphaël Rémy Leleu. Ah, mais je vous la gardais pour vous, celle-là. Hein. C'est votre mon petit cadeau. Hein. Ah, ouais, non, mais la loi SRU. Mais vous savez que c'est beaucoup de villes de France, pas forcément les villes bourgeoises, considèrent que c'est quand même un abus d'autorité d'imposer, sous couvert d'amende, un niveau de construction de logements sociaux, parce que les villes sont différentes, parce que le bâti n'est pas le même à Cannes qu'à Clermont-Ferrand, et il y a des gens qui disent, oh là là, c'est quand même... Et d'ailleurs, ils payent les amendes. Ils payent des amendes. Ils payent les amendes, ils les construisent pas. Ouais, tout ça pour dire que sa proposition va trouver un peu de résonance chez certains élus locaux. Mais sûrement que sa proposition va trouver un écho parmi certains élus locaux. Ce que je n'avais pas entendu, c'était la fin de son intervention, où il fait le lien très direct entre, logement social, pauvreté, immigration. Enfin, voilà, oui. le grand mélange des genres. Écoutez, moi, je n'ai pas du tout envie de faire... de participer au conte un petit peu magique de la campagne sublime, spontanée d'Éric Zemmour, qui réussirait à faire des grands meetings de manière très, très artisanale. Enfin, aucun candidat n'a eu une telle exposition médiatique, aucun candidat n'a eu une telle exposition, d'ailleurs, ces dernières décennies, un tel niveau de notoriété. Là, bien sûr, il est en train de faire son beurre sur les restes de l'extrême droite et sur ses divisions. Mais ça se voit bien, en fait, c'est un candidat de fracture, pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais d'une fracture profondément antisociale, de fracture raciste, sexiste. Et enfin, moi, c'est la seule question que j'ai envie de vous poser, c'est ça ne vous pose aucun problème de faire campagne pour un candidat qui a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale et religieuse, dont plusieurs femmes témoignent contre lui d'accusations d'agressions sexistes et sexuelles, et qui tient des propos révisionnistes encore il y a quelques semaines. Il n'y a aucun souci avec tout ça, on va se concentrer sur parler des transfuges de l'extrême droite entre elles. Moi, ce qui me pose problème, c'est les caricatures et les mensonges que vous diffusez. Il n'a pas été condamné ? La réalité, pour incitation à la c'est qu'aujourd'hui, et ou religieuse. Nous vivons depuis... Allez, est-ce que vous pouvez juste répondre à ça ? Est-ce qu'Éric Zemmour n'a pas été condamné pour incitation à la haine raciale et religieuse ? Nous vivons... Vous faites un... Est-ce que Éric Zemmour a été... Non, bah, est-ce que c'est un fait. Il a été condamné pour provocation à haine raciale. C'est un fait, mais je n'ai pas à répondre aux questions. Excusez-moi, c'est une façon assez surprenante de dégager du débat politique. Ah ben bah non, c'est extrêmement politique. La haine raciale et religieuse, c'est extrêmement politique. Surtout quand on est à l'extrême droite. J'en place une. Ce qui me met mal à l'aise, si vous voulez. Ce qui me met mal à l'aise, moi, c'est qu'on mène une politique sous Emmanuel Macron, sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, qui est une politique d'immigration massive, non. Sans qu'on ait jamais demandé aux Français leur avis. C'est sûr, la dernière fois qu'on a demandé aux Français leur avis, c'était en 2005, sur le traité constitutionnel, ils l'ont donné, et derrière, ils ont été bafoués dans leur vote par Nicolas Sarkozy. Depuis, sur un sujet aussi important que l'immigration, qui est le sujet qui intéresse les Français, si ça n'intéressait pas les Français... Croyez-moi, lorsque Éric Zemmour en a parlé, il n'y aurait pas eu l'engouement que vous décrivez. Il n'y aurait pas eu l'attention des médias. C'est parce que les Français ont justement envie qu'on leur pose cette question et parce qu'ils ont envie de répondre à cette question que vous avez cet engouement. C'est parce qu'aujourd'hui, il est le seul à faire un véritable diagnostic. Vous avez des candidats qui viennent avec des propositions en tous sens. Derrière, il leur explique c'est l'alpha et l'oméga de la France. La raison pour laquelle l'élection présidentielle est essentielle, c'est qu'il en va de la survie de la France. Et la survie de la France passe par l'arrêt de cette immigration qui est source d'insécurité. C'est une réalité. Alors, vous pouvez le nier autant que vous voulez. La perception et la réalité des Français et la réalité, au quotidien... C'est très différent. La science le prouve. Mais la science, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites sur l'alpha et l'oméga de l'élection présidentielle. C'est effectivement la réponse à cette question qui définira l'avenir de la France. Et donc, vous pensez qu'on peut répondre à la question... de l'alpha et l'oméga de la politique française en mettant au pouvoir un homme qui a régulièrement des propos incitant à la violence, incitant à la haine, y compris religieuse, raciale, avec des propos sexistes et révisionnistes. Est-ce qu'on prend véritablement la gravité de ce qui est en train de se passer ? Éric Zemmour ne tient pas des propos sexistes et révisionnistes, c'est un mensonge.
Donc répétez votre mensonge. Je vois bien que ça ne prend pas. Pétain et que les Français, des juifs. Et que les Français, ça ne les intéresse pas. Des juifs. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la politique alternative qui est proposée. Et vous avez donc en face la seule véritable alternative, c'est celle d'Emmanuel Macron. Mmh. C'est-à-dire, et Valérie Pécresse, c'est à peu près la même chose. Vous avez choisi votre mais non, on ne choisit pas un duel. C'est une, ce débat, une vision globaliste d'un côté, débat, une vision nationale de l'autre. Mmh. Allez-y. Ce débat, il est intéressant parce que il y a deux dimensions dans la campagne d'Éric Zemmour. Il y a ces mesures. Et je pense que les mesures qu'il propose rencontrent un écho dans la population. Par exemple, sur la fin de l'obligation de construire 20% de logements sociaux. Parce que quand on dit aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? On dit, ah oui, c'est formidable, la mixité, le vivre ensemble, etc. Bon, alors, est-ce que vous avez envie d'avoir du logement social à côté de vous? Parce que, cher Raphaël, c'est une réalité qu'en France, souvent, les gens qui sont éligibles aux logements sociaux, c'est aussi des gens originaires de l'immigration et que donc il y a des conséquences concrètes, par exemple dans les écoles, par exemple dans la constitution des classes. Et donc les gens, ils disent quoi? Ils disent, eh ben, c'est très bien sur le principe, mais moi, je n'en veux pas près de chez moi. Il y a même des maires qui font campagne au municipal en disant, je ne respecterai pas cette règle, je préfère payer l'amende. Des maires de droite, essentiellement. Et puis, il y a... Et vous avez la loi Dalo aussi qu'on supprime. C'est le gros problème, c'est la loi Dalo. Dans quelques secondes. Moi, j'ai animé pendant quelques années, il y a plus de 10 ans, des tables rondes au Congrès national du logement social. C'est un congrès gigantesque avec des milliers de personnes dans une grande ville de France. Je me souviens très bien que la France, les chiffres que l'on donnait témoignent d'une réalité. La France est le pays du monde où le logement social a cette importance. Dans la plupart des pays, le logement social. Et la deuxième observation, c'est que beaucoup de gens disaient, mais pourquoi faut-il des logements sociaux? En quoi un logement est-il social? Donc il y a des logements pour les riches et des logements plus petits, le plus bas de plafond, etc. Dans la plupart des pays anglo-saxons, ce n'est pas les logements qui sont sociaux, c'est les aides. Voilà, vous allez habiter dans un... Vous avez des revenus faibles, on va vous aider pour que vous habitiez dans un logement normal, qui n'est pas un logement social. Oui, je referme la parenthèse. En France, il y a une culture de l'assistanat qui fait qu'on préfère effectivement avoir des logements spécifiques pour ces gens, des rémunérations spécifiques. Et à mon avis, c'est ça qui les éloigne. Qui a créé des ghettos, ce qui a créé des zones où il ne fait vraiment pas bon. Mais juste une objection. D'ailleurs, certains Français éligibles refusent les logements. Mais la loi SRU... Ce sont des mesures concrètes qui rencontrent un écho. Et puis, il y a le surplomb de la campagne d'Éric Zemmour qui, je pense, peut inquiéter. Effectivement, il y a des gens qui trouvent qu'il a raison d'avoir peur pour l'avenir de notre pays. Mais quand ils l'entendent parler effectivement des relations hommes-femmes ou de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou ses déclarations sur les handicapés, les gens disent « mais on ne comprend pas ce qu'il veut dire ». Et objectivement, ça peut inquiéter. Cher Guillaume Roquette, j'entends les deux premiers sujets que vous évoquez, c'est des sujets qu'il a évoqués quand il était écrivain avant d'être candidat à la présidence de la République. Donc vous accorderez au candidat à la présidence de la République de s'exprimer sur le programme et sur ce qu'il souhaite faire pour la France. Mais il n'a pas renié. Non, mais il ne renie rien de ce qu'il était comme écrivain. Derrière, une fois qu'on est dans l'action, parce qu'un écrivain, il décrit, il présente un certain nombre de constats. Après ce constat, il y a des propositions, vous le rappelez, on est en train de décliner nos propositions. Et sur ces sujets, vous avez cette part importante, essentielle de l'immigration, il y a aussi le sujet de la déconstruction. Et là, pour moi, c'était une des raisons essentielles de quitter le Rassemblement national et de rejoindre Éric Zemmour, c'est que sur le sujet de la déconstruction de notre société, il est beaucoup plus vocal, notamment ce soir, ce scandale, enfin, depuis plusieurs jours, ce scandale des EHPAD, c'est vraiment la signature d'une société où il y a la marchandisation de l'humain. C'est de l'argent excessif qui est fait sur la fin de vie, c'est de l'argent excessif qui est fait sur la dépendance, c'est la vision mondialiste des EHPAD. D'ailleurs, il se vantait, le directeur général, d'être dans un système international. C'est cette marchandisation de l'humain qu'Éric Zemmour refuse, qui n'était pas suffisamment, à mon sens, refusé par Marine Le Pen. Donc ces deux jambes qui permettent d'avoir une campagne claire. Est-ce que pour espérer, s'il veut espérer
remonter un peu dans les sondages, parce que certes, il y a une petite dynamique, mais il reste en dernière position de ce carré de tête. Est-ce qu'il faut qu'il adoucisse son discours? Vous le dites tous, la campagne va commencer en février. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse maintenant qu'il a dressé ses constats? Il faut qu'il s'adresse plus aux Français pour espérer peut-être gagner un vote plus populaire? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Je ne suis pas certaine qu'il réussira à adoucir son discours, et je ne suis pas certaine que ce soit une bonne chose, parce que sa marque de fabrique, c'est quand même la polémique, c'est quand même d'oser briser certains tabous. C'est un peu une campagne un peu trumpiste, en fait, comme on le découvre hein, en France, mais on l'avait vu déjà aux États-Unis. Donc, moi, je ne vois pas comment il peut ne plus aller sur certains sujets qui sont des sujets encore tabous pour certains hommes et certaines femmes politiques qui prennent beaucoup de pincettes. D'ailleurs, quand on a vu, on a écouté tout à l'heure Charles Consigny, il était très méprisant vis-à-vis d'Éric Zemmour ou même de Marine Le Pen, qui ne serait pas au niveau, et très méprisant sur les sujets aussi qu'ils abordent, à savoir les questions d'identité. Et pendant toute son intervention, je me suis dit, mais comment ils vont traiter Éric Ciotti, qui a quand même parlé beaucoup en Zemmour pendant la primaire et qui a fait 40%. Donc je ne pense pas qu'Éric Zemmour puisse adoucir, mais il doit aussi avoir aujourd'hui des propositions qui vont impacter davantage les Français sur la question du pouvoir d'achat, pour évidemment conquérir un autre électorat, un électorat qui est plus populaire, parce qu'aujourd'hui, et y compris avec un ralliement de Marion Maréchal Le Pen, qui est une libérale, qui est une ultra-conservatrice sur les questions de société, vous n'allez pas réussir à aller chercher un électorat populaire qui vous manque tant. Je reviens honnêtement au problème quotidien des Français et du logement. Deux points très rapides. Premièrement, Éric Zemmour a absolument raison de parler du logement. C'est un des principaux problèmes des Français. Évidemment. Aucun candidat n'en parle. Moi, ça me scandalise, je vais vous dire. La part du logement dans les dépenses contraintes des Français a augmenté de 30 à 40% en 10 ans et personne n'en parle. C'est scandaleux. En revanche, Éric Zemmour se trompe totalement avec cette suppression de la loi SRU. Mais ce n'est que la moitié du chemin. Et Éric Brunet, vous avez entièrement raison. Le problème français, c'est que depuis 30 ans, tous les gouvernements promettent 500 000 constructions de logements par an. On manque de logements. On a une démographie qui est forte en France, contrairement à d'autres pays. Emmanuel Macron l'avait promis en 2017. Ça n'a pas été fait, c'est un échec. Hollande, ça n'a pas été fait. Sarkozy, ça n'a pas été fait. On manque de logements. Pourquoi? Parce que les maires n'ont aucun courage. Ils délivrent aucun permis de construire. Aucun, je vais vous dire. Discutez, et Jérôme Révière le sait très bien. Aucun permis. Donc il faut obliger les maires à non pas forcément à faire du logement social, mais il y a différents types de logement social. Renaud, pourquoi les normes sociales et les normes. Renaud, c'est pas le logement qui doit être social, c'est comment un logement social avec des petites portes, des petites fenêtres. Il n'y a pas que des grandes maisons, il faut des logements normaux. Normaux, mais des aides sociales. Mais exactement. Pour les plus modestes. Mais faut les construire. Comme en Allemagne. Mais faut déjà les construire. On ne construit pas en France, c'est un scandale. Mais il faut aussi logement social, l'espèce de rêve. Et vous avez raison. Fantasmé des années 60, on met des bars comme ça. Avec des logements sociaux, petit pavillon, des pauvres dedans. Petit pavillon. Alors, c'est caricatural. Petit pavillon, on n'en construit pas. On en a construit. C'est caricatural. Le logement social, ce n'est pas que la barre HLM où on met des gens qui ont très très peu de revenus. Il y a du logement intermédiaire et je crois qu'à Paris, les niveaux de salaire sont quand même élevés pour accéder à certains. Le plafond, je crois que c'est 100 000 pour accéder à certains logements. Donc, c'est quand même du cadre, c'est quand même de la classe moyenne aussi qui accède. Le vrai problème, c'est qu'on ait besoin d'avoir du logement social et que les Français ne puissent plus par leur travail s'offrir un logement par leur propre denier sans être subventionnés. On est dans une économie qui est tout le temps subventionnée. La difficulté, la ghettoisation des quartiers, à mon sens, vient surtout du DALO, du droit opposable au logement, qui a ramené dans des quartiers des familles qui sont très éloignées de la France, qui sont en très grande précarité et qui ont participé aussi à communautariser ces quartiers-là. On supprime aussi cette loi de DALO, ce droit opposable le logement. Les logements, c'est aussi l'aménagement du territoire. Mmh. Et c'est là-dessus qu'il fait des propositions. Il a commencé à les décliner avec, vous le rappeliez, une aide pour une bourse pour les naissances. C'est de passer d'une politique de la ville qui a surfavorisé un certain nombre de territoires, notamment les zones urbaines, pour favoriser maintenant les zones rurales. Il y a eu un déséquilibre profond qui existe en France, alors qu'il y a quand même 30% de Français qui vivent dans ces zones rurales, pour les favoriser. Mais c'est financé, ça coûte combien, ça? Mais les 10 000 euros pour l'enfant français en zone rurale, ça coûte combien? 2 milliards. Et vous les prenez où? Je vais vous donner un exemple simple aujourd'hui. Non, mais c'est très simple, la même somme. Vous avez 40 000 mineurs non accompagnés ou mineurs isolés en France à 50 000 euros par an. Ça fait 2 milliards tout rond.
C'est simple, hein, 40 000, c'est les chiffres qui ont été annoncés ce matin, et 40 000 mineurs isolés, 50 000 euros par an, c'est 2 milliards. C'est la même chose, donc c'est un jeu à somme nulle. Excusez-nous, je sais, Raphaël, que vous vouliez rebondir, mais on a tellement de choses à dérouler. Oui. Et je voudrais qu'on parle du cas Marion Maréchal. Parce qu'on l'a évoqué aussi, et c'est important. On ne sait pas encore quel sera le poids d'une Marion Maréchal qui rejoint potentiellement, en tout cas, c'est ce qu'elle laisse sous-entendre, Éric Zemmour. Elle le dit, je penche pour lui. Il a réagi là-dessus chez nos confrères de France 2 ce soir, Éric Zemmour. On l'écoute. Marion Maréchal est une vieille amie. C'est une jeune femme formidable, intelligente. Je comprends, c'est très douloureux pour tout le monde, c'est des souffrances émotionnelles, je compatis vraiment et je comprends très bien. Elle ne trahit pas, c'est de la politique. Marion Maréchal n'a pas les mêmes idées que Marine Le Pen. Elle a une ligne différente, elle a une conception de la France différente, elle a des conceptions de l'économie différentes. Et de la famille. Et de la famille peut-être aussi. Donc, en tout cas, elles ont des lignes différentes. Ce sont des femmes politiques, ce ne sont pas seulement une tante et une nièce. Ouais. Ça c'est intéressant parce que on sait Renaud Pila, on sait Guillaume Roquette. Je peux m'excuser pour ce mini Alzheimer, ça m'arrive de plus en plus, il va falloir que j'aille consulter Guillaume Roquette. Donc on sait que bon, elle a envie d'aller chez Zemmour, manifestement, Marion Maréchal, mais elle est quand même un petit peu gênée aux entournures, taraudée par l'idée qu'elle se couperait de sa famille et du clan Le Pen, et ça, c'est quelque chose sur lequel... elle est très sensible sur cette question-là. Et donc là, ce soir, aux 20h de France 2, que fait Zemmour? Il lui dit, mais finalement, si elle vient chez moi, c'est pas une trahison, parce que c'est juste des Exactement. Idées politiques. Mais c'est une évidence que la ligne, on va dire, plus moins étatiste et plus conservatrice, Marion Maréchal, soit minoritaire au sein du Rassemblement national, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, les proches de Marion Maréchal, ils ont été mis à l'écart par la direction de Marine Le Pen. Si Marion Maréchal ne s'appelait pas Marion Maréchal Le Pen, elle serait, à mon avis, déjà chez Zemmour depuis longtemps. Mmh. Elle a, pardon, parce que c'est presque un gros mot aujourd'hui, mais un cas de conscience, à mon avis, entre ses convictions d'un côté et sa fidélité à sa famille de l'autre. Mmh. Et mais elle va y aller, là, c'est sûr. Et je ne suis pas certain que la ligne de Marion Maréchal soit minoritaire au Rassemblement national. Qu'à la direction, qu'à la tête du parti, elle soit totalement exclue, ça c'est une réalité. En revanche, pour un grand nombre de militants, moi je suis plutôt du Sud, et je peux vous dire que pour les légions de militants qui sont du Rassemblement national dans le Sud, la politique présentée, proposée par Marion Maréchal, celle qui était celle du Rassemblement national, jusque à l'échec des élections régionales. C'était cette politique d'ouverture qu'avait tenté Marine Le Pen, de rassemblement un peu large. Il y a eu, après les élections régionales, fermé le banc, et puis on est reparti sur un parti qui s'est rétréci sur une expression qui effectivement ne représente pas du tout ce courant de Marion Maréchal. Alors, vous êtes nombreux, en tout cas, à avoir quitté Marine Le Pen pour rejoindre le parti Reconquête. Dernière en date, on en parlait là, une eurodéputée d'outre-mer qui a donc décidé de se rallier à Éric Zemmour. Elle le dit, aujourd'hui, elle était en déplacement à Brest, Marine Le Pen, elle le dit, on veut tout simplement saboter ma campagne. On l'écoute. Le principe de la trahison, c'est qu'elle arrive rarement avec une pancarte publicitaire autour du cou, quoi. Voilà, le principe de la trahison, c'est qu'elle est organisée en dehors de votre vue, et si possible, loin de vos oreilles. Ce que je n'admets pas, c'est la dissimulation. Ce que je n'admets pas, c'est le moment. Ce que je n'admets pas, c'est en réalité, car on l'a tous compris, la volonté de saboter ma campagne beaucoup plus que de porter la campagne de quelqu'un d'autre. Eh bien, ce sabotage ne fonctionnera pas. Mais on n'est pas en train de... C'est là qu'elle se trompe sur un élément essentiel. Oui. Jusqu'à la fin du mois de novembre, jusqu'au début du mois de décembre, il n'y a pas d'alternative à Marine Le Pen. Elle est seule. Mmh. Ce qui s'est produit, c'est qu'Éric Zemmour est venu en campagne. Ce n'est pas une trahison. Il y a tout d'un coup une offre nouvelle. La vie politique, elle est faite d'expression par rapport à des idées. Marine Le Pen était seule sur le créneau national, avec courage d'ailleurs pendant longtemps. Mais fin novembre, il y a un élément majeur, nouveau, qui se produit en France. Vous avez Éric Zemmour qui vient faire une offre politique. Et cette offre politique, elle séduit beaucoup de gens. C'est pas trahir. Il n'y a pas d'allégeance au chef. Ouais. Excusez-moi, c'est des allégeances à des idées. C'est aux Français les raisons pour lesquelles on s'est fait élire. Il y a une offre nouvelle. Vous n'avez pas peur du phénomène Chirac? Vous vous souvenez, Chirac Balladur, les guignols de l'info qui présentent Chirac avec le dos rempli de couteaux. Et au bout d'un moment, cet homme qui était trahi par tous ses amis,
il est redevenu populaire. Et il a doublé Balladur. Vous n'avez pas peur de ce phénomène? Il y avait les Guignols qui l'avaient rendu sympathique pendant 2 ans. Ouais. Je ne pense pas que ce soit une comparaison possible aujourd'hui. Ouais. Et encore une fois, Chirac-Balladur, vous aviez 2 hommes qui avaient passé un pacte ensemble. L'un faisait la cohabitation, était Premier ministre et s'était engagé à soutenir l'autre pour être président de la République. Il n'y a pas de pacte entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ouais. Vous avez une offre politique nouvelle. Ouais. Et ça, c'est ce qui vient totalement la déstabiliser, c'est qu'elle se retrouve, au lieu d'être en exclusivité sur un segment politique important, elle se retrouve avec une concurrence. Et ça, cette concurrence, ça la déstabilise, effectivement. Mais ce n'est pas de la trahison. Autre réaction, celle de Louis Alliot, du Rassemblement National. Lui, il lance un message à Éric Zemmour et lui dit de se méfier de tous ces nouveaux soutiens dont vous faites partie. On l'écoute. Je dis qu'en politique, tous les moyens ne sont pas bons. Et que quand on veut rassembler, il faut aussi rassembler des gens qui méritent d'être rassemblés. Il y a un certain nombre de personnes, moi, avec qui je ne ferai pas de politique et que, malheureusement, je retrouve aujourd'hui aux côtés de M. Zemmour, ce que je regrette. Peut-être ne le sait-il pas, mais il devrait s'informer sur un certain nombre de ses soutiens, car si on les a mis dehors, bien souvent, c'est pour d'excellentes raisons. Réaction ? Il vous vise quand il dit ça ? Je n'ai pas été mis dehors, donc non, vraiment pas. C'est même pas une question. Que vous trouviez dans un certain nombre de partis des gens qui circulent pour des questions effectivement d'investiture, d'opportunisme. Mais ce n'est pas du tout ce qui se produit autour d'Éric Zemmour aujourd'hui. Quand je fais le choix de quitter une place qui pourrait être bien au chaud, c'est parce que je fais un choix de conviction. Quand vous avez Maxette Pierre-Bacasse qui fait ce choix de rejoindre Éric Zemmour, c'est parce qu'elle l'explique très bien dans les colonnes de Figaro demain. C'est très clair, c'est pour des raisons liées au programme Outre-mer de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour. On peut pas... Je comprends que ce soit... En plus, il y a un côté un peu télé-réalité entre la tante, la nièce, ça, mais c'est pas ça, et c'est pour ça qu'Éric Zemmour le rappelait, c'est des questions politiques. Merci Jérôme Rivière, merci. Merci. On vous souhaite une belle soirée, merci d'être venu dans Brunet et compagnie. Je pense au calvaire de Raphaël Rémy Leleu quand même, parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de la gauche. Vous dites, mon Dieu, c'est votre petite immersion hebdomadaire au pays de la droite, là, parce que l'actualité, que vous le vouliez ou non, elle est droitière. C'est pas moi, Vous allez sur toutes les chaînes d'infos, toutes les radios, l'actualité politique, elle est droitière. J'adorerais parler avec vous pendant des heures de Christiane Taubira, d'Anne Hidalgo. On en parlera pendant les autres. Je crois qu'on pourrait essayer, que vous seriez surpris, parce que là, il me semble qu'il y a quand même un énorme déséquilibre, je l'évoquais tout à l'heure, dans l'exposition médiatique dont a bénéficié Éric Zemmour. Là, on est en train de participer au grand feuilleton de l'extrême droite. Et je riais de l'expression de Louis Alliot sur ces gens qui se rassemblent. Il n'y a pas de doute, la réaction est déjà en œuvre et... ces gens se rassemblent avec leurs propos conservateurs ou réactionnaires, sexistes, racistes, qui, d'après moi, continuent d'influencer vers plus de haine et plus de violence. Et je pense qu'on aura une responsabilité majeure dans les prochaines années et que cette banalisation est extrêmement dangereuse. Oui. Quand là, il parle de... Les Guignols ont rendu populaire Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'est en train de faire l'émission de Cyril Hanouna avec Éric Zemmour? Va falloir s'interroger aussi, mais pas uniquement, pour le coup, la classe médiatique, la classe politique aussi, sur l'espace qu'on donne à chacun, à chacune, sur l'expression de la pluralité. Et là, je trouve qu'on dévie totalement. Moi, je pense que vous vous trompez. Je pense que cette exposition médiatique, d'abord, elle est de moins en moins déséquilibrée, pour une raison très simple, c'est qu'il y a des règles. Et qu'il va y avoir des contraintes de temps de parole. Et donc, cet argument, je pense qu'il sera de moins en moins opératoire au fur et à mesure que les semaines passeront. Mais tant mieux si l'argument devient faux. Actuellement, le déséquilibre est majeur. Ce que je pense, c'est que cette exposition médiatique de la droite, elle est le reflet de l'évolution des mentalités. Je pense que les Français, on le voit dans les études d'opinion, on le voit dans les enquêtes de fond, je pense à celle du Cevipof. Les Français, oui, ils en ont... de plus en plus assez de l'immigration. Ils sont de plus en plus nombreux à considérer que l'islam est inquiétant pour le pays. Et tout ça, ce sont des réalités profondes. Je pense que ce n'est pas juste passer chez Cyril Hanouna qui fait le succès de ces idées-là. Je n'ai jamais dit que c'était juste ça. Je dis juste qu'il y a l'absence d'un équilibre, d'une pluralité et peut-être d'une remise en cause. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est l'effet, qu'est-ce qui est la conséquence. Mais peut-être qu'il y a aussi une absence et un manque d'écoute de la gauche, des préoccupations des Français. Peut-être que vous êtes à côté
et que vous voulez imposer un point de vue aux Français, une vision de la France qui ne correspond absolument pas à leurs préoccupations, à leur quotidien. C'est peut-être pour ça qu'il y a petit à petit un effacement de la gauche. Il y a de la responsabilité de la gauche, du camp écologique. Vous ne voulez pas traiter certains sujets. La capacité. Mais, alors pour le coup, j'ai aucun problème à traiter tous les sujets. Toute la gauche. On n'aura peut-être pas les mêmes analyses, mais c'est pas parce qu'on a les mêmes analyses qu'on refuse de les traiter. Par contre, là, ce déséquilibre est, à mon sens, cet accompagnement de la banalisation de l'extrême droite, pour moi, c'est vraiment une banalisation du mal. Et je le redis, on sera... Je voulais vous entendre là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que la droite nationale, l'extrême droite, c'est 32, 30%, 35% des intentions de vote. Donc c'est à elle seule, la droite nationale est beaucoup plus haut que toutes les gauches réunies dans les intentions de vote, ce qui explique, à mon avis... l'intérêt et l'engouement tout particulier de toutes les rédactions, presse écrite, radio, télévision. Pour les valeurs médiatiques. Et on parle, alors justement, vous allez être servi, oui, parce qu'on a eu le voyage éclair aujourd'hui de Marine Le Pen. Mais voilà, juste avant quand même, on voulait poursuivre sur ce déplacement de Marine Le Pen à Brest, sur ces thèmes de prédilection, la sécurité. Vous allez voir les images, elle a été un peu chahutée. Marine Le Pen, une quinzaine de manifestants qui l'ont huée, elle se déplaçait dans un commissariat de la ville, donc à Brest. On écoute Marine Le Pen qui a fait quelques propositions, donc notamment la création de 7000 postes de policiers et de gendarmes, doubler le nombre de magistrats, ajouter 25 000 places de prison supplémentaires. On l'entendra dans un instant, juste avant, Guillaume Roquette. C'était important pour elle, qui a finalement fait plusieurs propositions, plutôt pour le pouvoir d'achat ces derniers temps, de revenir sur ces thèmes-là et ne pas laisser ces thèmes de la sécurité à un Éric Zemmour ou une Valérie Pécresse. Bien sûr, je pense qu'elle veut que sa campagne marche sur deux jambes. Elle a des propositions qui peuvent être différentes techniquement d'Éric Zemmour sur les questions de régaliennes, mais ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Hein. Par exemple, sur les peines planchers, sur l'idée qu'il faut que la justice soit plus sévère, ils se retrouvent là-dessus. Mais Marine Le Pen, elle a aussi ce volet social qu'effectivement Éric Zemmour a moins, parce qu'il considère que c'est moins l'urgence. Ce que je remarque, c'est intéressant, c'est qu'il y avait des manifestants qui ont tenté de troubler le déplacement de Marine Le Pen, comme il y en a presque systématiquement pour Éric Zemmour, comme il y en avait systématiquement pour François Fillon pendant la campagne de 2017, alors que les dirigeants de gauche, alors eux, ça se passe toujours crème pour eux. Vous avez vu ? Comme si le problème du pluralisme, il était plus à gauche qu'à droite. Parce que les gens de droite, ça ne les gêne pas que Jean-Luc Mélenchon puisse s'exprimer. Ça ne les gêne pas qu'il y ait autant de candidats d'extrême gauche. Il n'a jamais été condamné pour incitation à la haine. Il a été condamné trois fois. Rien que le mois dernier, il a été condamné pour diffamation. Il a été condamné pour rébellion. Il a été condamné trois fois par la justice. Donc, effectivement, Éric Zemmour est condamné... parce qu'il y a des moments où, quand on parle de façon trop radicale de l'immigration, on est sanctionné par la justice. Que Jordan Bardella, je vous l'apprends peut-être, ce soir a été mis en examen parce qu'il avait traité Trump de République islamique. Eh bien, il y a des choses qu'en France, on n'a pas le droit de dire. Marine, casse-toi, Brest est antifa. Oui. Marine, casse-toi, Brest est antifa. Oui, mais c'était les slogans. C'était les slogans. Mais alors, je vais vous dire deux choses. Déjà... Ils étaient 20. Ils étaient 20. Il y a des déplacements où les antifas sont beaucoup plus nombreux. Bon, ils étaient 20. Brest, il y a en Bretagne beaucoup effectivement d'antifa et d'extrême gauche. Stratégiquement, Marine Le Pen, mais c'était urgent qu'elle fasse un déplacement. Mais de quoi on parle depuis 4 jours pour Marine Le Pen ? Les problèmes de famille, l'hémorragie, les ralliements. Et pendant ce temps, elle parle pas de sa campagne. Donc je peux vous dire qu'hier, il y a eu une réunion stratégique au Rassemblement national en disant « Stop ! On repart sur le terrain. On reparle aux Français. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle va sur le terrain de la sécurité. Elle a parlé énormément du pouvoir d'achat. Ça lui a réussi parce que je vous rappelle, et je le rappelle tous les soirs, l'enquête BVA du week-end dernier, historique où pour la première fois, l'électorat de Marine Le Pen attend en premier le pouvoir d'achat et non pas l'insécurité et l'immigration. C'est jamais arrivé. D'abord le pouvoir d'achat. Là, elle revient sur des thèmes un peu plus classiques, sécurité et autres. Mais c'est vrai que l'urgence pour Marine Le Pen, c'est d'aller en déplacement et de montrer qu'elle a des propositions crédibles.
là où Éric Zemmour a des propositions qui sont souvent dans le clash et pour l'instant, il a un problème de crédibilité. Alors, on verra demain soir ce qu'il a à dire aux abstentionnistes, Éric Zemmour. Ça va être passionnant. Demain soir, 20h50 sur LCI. Mais demain soir, est-ce que certains Français abstentionnistes qui vont être face à lui, est-ce qu'il va réussir à les écouter déjà? Parce qu'un idéologue, en général, il écoute rarement. Et c'est pas sa nature. Puis deuxièmement, est-ce que des Français vont dire « Mais attendez, techniquement, vous n'y connaissez rien sur tel ou tel sujet. » Donc Marine Le Pen, elle joue la crédibilité. Éric Zemmour, il a pas d'expérience. Il n'a jamais fait de politique. Donc il a encore un objectif de crédibilité. Il a observé pendant plus de 30 ans quand même. Donc il sait très bien comment ça fonctionne. Lydia, quand vous n'êtes pas aux manettes. Marine Le Pen, elle n'est pas aux manettes. Elle n'a pas été aux manettes. Troisième présidentielle. Oui, mais pas aux manettes. Non, mais elle a été élue. À la présidentielle. Non, mais elle a été élue. D'accord, elle a été élue, mais elle n'a pas géré, elle n'a pas été ministre, elle n'a pas... Là où c'est amusant, c'est que... Vous imaginez ? Elle s'est fait 3 présidentielles et dans l'imaginaire collectif, c'est une femme d'expérience. Vous voyez, elle est là depuis longtemps, elle connaît la politique. Or, Lydia a raison, elle n'a jamais été dans aucun exécutif. Et c'est son problème. Elle n'a jamais réussi à gagner la région Nord-Pas-de-Calais. Jamais. Mmh. C'est le problème du RN. Ils n'ont jamais eu un président de région. C'est pour ça que les dernières régionales ont été extrêmement dures. PACA, Mariani, Hirat et Marine Le Pen. Mais cela dit... Honnêtement, Éric Zemmour, il a 2 mois pour montrer qu'il peut être à 18 parce qu'il n'a pas d'expérience. Meeting pour les deux, d'ailleurs, pour Marine Le Pen et Éric Zemmour. Très important, samedi. Le 5 février, donc ce samedi. Et en attendant, Éric Zemmour sur LCI demain soir avec face à Routel Krief et David Pujadas. Tout de suite, 23h43, très précisément, on a un peu de retard. C'est le rendez-vous que tout le monde attend, évidemment. C'est les Indiscrets Insomniaques avec Renaud Pilat. Et vous nous parlez, Renaud, de la candidature d'Emmanuel Macron, qui se fait un petit peu attendre, même si on croit savoir que c'est imminent. Le timing est un peu perturbé, c'est ce que vous nous dites. Oui, le timing est perturbé. Alors, point d'interrogation, on a mis en bas, parce que c'est extrêmement compliqué de savoir quand est-ce qu'Emmanuel Macron va se déclarer, parce qu'il n'y a que lui qui sait. Mais que lui qui sait. Que lui. Même ses plus proches collaborateurs, certains se disent, on espère qu'il ne va pas nous faire une surprise. Renaud, vous voulez que je vous dise ? Dites-moi, Eric. Je ne voudrais pas casser votre truc. Je m'en fous complètement de savoir si... Déjà candidat. Il sera candidat. Ok, bon, on passe à autre chose. Non, moi, je suis vexé. C'est mardi, est-ce que c'est jeudi, est-ce que c'est mercredi? Mais ça intéresse les gens qui nous regardent. Alors, allez-y. Vous êtes blasés. Allez-y. Bon, alors, donc, le timing est perturbé. Pourquoi? Et là, je reviens à quelque chose de sérieux, et j'espère que ça va vous intéresser, Eric. Bon... non, mais sinon, vous avez un bouquin. Mais moi, ça m'intéresse. Voilà, bon, moi, Julie, t'intéresse. Et nous aussi, ça nous intéresse, Renaud. Bon, alors, je reviens sérieusement. Emmanuel, voilà. Envoyez un mot chez moi pour dire que je suis de retour dans 20 minutes. Faites vos courses. Emmanuel Macron donne une interview, on vient sérieux, à La Voix du Nord. Demain, il est en déplacement à Lens. Interview très importante d'Emmanuel Macron ce soir dans La Voix du Nord, qui paraît demain. Regardez ce qu'il dit. Non, mais on ne va pas lire ces 20 lignes. Je mets mes lunettes. Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je... Mais j'ai le temps de dire quand même, Eric. Que je vais m'adonner à ce temps démocratique important alors que je leur ai dit que je serai président jusqu'au bout. Écoutez bien. Et que nous avons une crise liée à la frontière ukrainienne qui menace notre sécurité collective. On a toujours dit, les observateurs et autres, que c'était un avantage d'être chef de l'État. Oui. Vous surplombez, vous avez l'expérience et tout ça. Mais quand il vous tombe, c'est la première fois que deux mois avant un premier tour, on a une crise diplomatique aussi grave. Oui. Imaginez que dans 3 semaines, dans quelques jours, il y a la rencontre américain-russe. C'est ça qui compte, hein, parce que nous, l'Europe, on regarde. Mais imaginez que dans 3 semaines, au mi-février, il y ait des Russes qui envahissent une partie de... Et vous voyez Emmanuel Macron faire des débats avec les 10 candidats pendant Poutine et les Russes. Bon. Donc, le timing peut être perturbé par cette crise. J'ai un truc pas mal. Vous imaginez... Ça vous a intéressé finalement, Eric? Non, ça n'a aucun intérêt. Moi j'ai eu un grand espoir. Vous imaginez Emmanuel Macron faire des débats avec Poutou alors qu'il devrait échanger avec Poutine. Et voilà, compliqué. Moi j'ai eu un grand espoir parce que je n'avais pas encore lu La Voix du Nord de demain, mais je me souviens qu'en novembre 1994, c'était à La Voix du Nord que Jacques Chirac avait réservé sa déclaration de candidature, mais apparemment ce n'est pas encore la pour demain pour Emmanuel Macron. Mais il a raison. Raphaël et moi n'étions pas nés. J'avais 2 ans en 1994. Par contre, moi, il y a un couac qui me fait rire dans la communication d'Emmanuel Macron autour de sa
candidature à venir, c'est que bon, il ne prend pas la parole là-dessus, il est chef de l'État, il est chef de l'État. Par contre, il a des députés ou des élus qui posent avec leur formulaire de parrainage en disant j'ai soutenu mon candidat Emmanuel Macron. Bon, c'est un petit peu à 105, côté, quoi. 105 candidats, bon. 105 soutiens déjà. 105 soutiens, oui. Il est numéro 1 en parrainage. Renaud, est-ce que vous auriez un indiscret plus intéressant, un truc un peu plus exaltant, quoi, qui nous fait frissonner? Qui nous fait frissonner la narine, parce que là, franchement... Sur Marine Le Pen, je crois. Non, mais Julie, et dire qu'on n'est que mardi... Ben oui, il va falloir tenir. Traiter comme ça, moi, je ne tiens pas ce que je dis. On se serre les coudes, tous les deux. On se serre les coudes. Allez. Alors, on y va, le deuxième, alors. Marine Le Pen, donc, c'est ça. Marine Le Pen, et si elle ne pouvait pas être candidate? Ça fait des années qu'on dit qu'à chaque fois, ils bluffent, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, sur l'obtention des 500 signatures. Je peux vous dire ce soir, c'est un indiscret... vérifier en fin d'après-midi, début de soirée, que la récolte des 500 signatures pour Marine Le Pen est extrêmement difficile. On a la liste des premiers parrainages qui ont été reçus cet après-midi par le Conseil constitutionnel. Vous savez combien Marine Le Pen a de parrainages vérifiés par... 10. Deux. 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 Jean Lassalle en a 15. Voilà. Deux. Elle en a deux. Deux Marine Le Pen. Même dernière si position. Éric Zemmour, combien? 15. 14. 14. 14. Ça vous... 6 fois plus. Ouais. C'est pour ça qu'elle a surréagi. Ils ont jusqu'au 4 mars pour donner leur... Voilà. Ce qui importe, c'est les promesses de parrainage, non plus que... Restons sereins. Enfin, du côté du RN. Mais je peux vous dire que c'est très compliqué. Et pourquoi c'est très compliqué? Parce qu'il faut désormais... Les petits maires hésitent. Regardez, c'est dingue. Puis alors, Anne Hidalgo, non mais ce système des parrainages... Anne Hidalgo, 2% dans les sondages. Deuxième position, 48 signatures pour l'instant. Incroyable. Oui, Guillaume, non. Pardon, non. Mais le problème, c'est que Marine Le Pen est la seule à pouvoir traiter bien les petits maires, leur téléphoner. Louis Alliot le fait aussi, il l'a dit tout à l'heure sur LCI. Alors que je peux vous dire pourquoi ça marche depuis 15 jours chez Éric Zemmour, les parrainages. Qui passe une heure par jour à téléphoner aux petits maires les uns après les autres? Guillaume Pelletier. Éric Zemmour en personne. Guillaume Pelletier, qui a ramené pas mal de signatures, et Philippe de Villiers. Et les petits maires, ils sont extrêmement flattés d'avoir Philippe de Villiers ou Éric Zemmour qui les appelle personnellement. Je voudrais lancer une bataille qui est perdue d'avance. Mais non, pas ici. En fait, le terme de parrainage, il n'est pas exact. Parce que c'est pour ça que c'est si difficile à avoir. Parce que quand vous parrainez quelqu'un, ça veut dire que cette personne est votre filleul. Ça veut dire que vous le soutenez. Et bien moi, j'ai regardé le document envoyé par le Conseil constitutionnel à chacun des maires de France. Et ce document qu'ils doivent remplir, ça s'appelle « formulaire de présentation ». D'un candidat. Ah oui. Et en fait, avec ce mot-là, c'est déjà moins engageant. Même le problème, c'est que là où c'est un débat perdu, c'est que un combat perdu, c'est que tout le monde dit parrainage et donc ça continuera. Et c'est pour ça que les maires, ils ont tant de mal à se décider. On me signale dans l'oreillette que vous avez un retard de parole de 3 minutes 22. Il va falloir le combler. Vous avez 3 minutes 22, vous pouvez chanter. Ça, je n'y risquerai pas et je pense que ce serait mieux pour vos oreilles que je ne chante pas. Je chante extrêmement mal. Ça serait un vrai problème pour Marine Le Pen, effectivement, de ne pas pouvoir se présenter. Et pour la démocratie. Ça va créer un vrai problème démocratique. Mais c'est vrai qu'avec les différents ralliements qu'a réussi à obtenir Éric Zemmour, ça rend la tâche encore plus difficile. Une conseillère régionale, une députée en Guadeloupe qui est très bien implantée, ça fait autant de partages potentiels qui lui retirent et qui peuvent venir vers Éric Zemmour. Éric Zemmour, entre parenthèses, indiscret. Ça fait 3 minutes. C'est bon, c'est parfait. Il va se rendre prochainement en Guadeloupe, Éric Zemmour. Je vous le dis. Grosse réserve de voix de Marine Le Pen. Énorme. Marine Le Pen, extrêmement populaire en Guadeloupe. La prise ce soir, on est là pour regarder aussi les signaux faibles ici. La prise ce soir par le camp Zemmour de ces députés guadeloupéennes qui étaient la tête de pont du Rassemblement national depuis des années en Guadeloupe, c'est pas une mince affaire en Outre-mer. Raphaël Rémy-Leleu. Sur les parrainages, voire même les marrainages, qui sont en effet des formulaires de soutien. Vous êtes contre le système, non vous? Sans écriture inclusive? Il est périmé, ce système, non présentation. Je ne sais pas, pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à en redire. En tout cas, il a déjà évolué, puisqu'il n'y a pas uniquement les maires qui peuvent parrainer, mais également les conseillers et conseillères régionales, départementales. Par exemple, en tant que conseillère de Paris, je peux marrainer Yannick Jadot. Mais ce qui change aussi beaucoup... Et vous allez le faire ou vous l'avez fait? Et c'est déjà fait, avec grand plaisir. Mais ce qui change aussi, c'est que maintenant, c'est public.
et que ça change beaucoup de choses aussi dans la perception, y compris dans les petites communes, où certaines maires sont certes flattées d'avoir des coups de fil des uns et des autres, mais aussi très largement saoulées, je crois qu'on peut le dire. C'est pour ça qu'ils parce sont plusieurs que... à demander l'anonymat, les parrainages, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Il y a des pressions, il y a des démarchages. Parfois, on se pose la question de comment certains partis politiques récupèrent les fichiers avec les adresses e-mail personnelles ou les numéros de téléphone de certains et certaines élus. Enfin, tout ça est encore à vérifier. Et du côté de Marine Le Pen, il y a des petits maires qui, il y a un mois, ont dit oui et qui aujourd'hui hésitent parce qu'il y a des pressions. La grande ville d'à côté, la communauté urbaine. Les subventions. Vous avez d'autres indices? Oui, un troisième. Ouais. Les jeunes. Ça vous intéresse? Mobilisés pour Valérie Pécresse, c'est ça? Oui. Alors, du côté de chez Valérie Pécresse, dans la campagne de Valérie Pécresse, on est ennuyé, très ennuyé, parce que les jeunes zémouriens, zémouristes, zémouriens, sont, on le voit sur les réseaux sociaux, sont les plus actifs. Il y a deux camps qui sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux. C'est le camp Zemmour, les zémouriens et les insoumis de Mélenchon. Les insoumis de Mélenchon, ça fait des années. C'est sur les meilleurs, les geeks. Mélenchon est geek aussi. Les jeunes Zemmouriens, extrêmement... Les jeunes LR, pour l'instant, sont vieux. Bah, soit ils sont vieux... Depuis longtemps aussi. Non, mais soit ils sont vieux, soit franchement, sur les réseaux sociaux, on les voit très peu. Et je peux vous dire que ces derniers jours, au QG de Valérie Pécresse, certains jeunes LR qui sont responsables ont dit « mais il faut les mobiliser ». Et notamment pour le meeting du 13 février, au Zénith à Paris... où là, il faut qu'il y ait des jeunes. C'est pas possible d'avoir des meetings d'Éric Zemmour. Enfin, Guillaume Roquette, il connaît par cœur la droite française. Et je suis jeune, d'ailleurs. Mais voilà. Oui. Je dis pas que vous êtes jeune LR, mais attendez, les meetings de Chirac, de Sarkozy, mais c'est essentiel, les jeunes, dans un meeting, pour mettre l'ambiance. Ouais. Pour l'instant, ils chantent Zemmour. Valérie Pécresse, il faut qu'elle en ait mi-février. Le problème, vous aviez des t-shirts Giscard à la barre, vous, non? Giscard à la barre, non? Et vivement demain, l'affiche Je n'ai jamais été militant. Non, la difficulté pour Pécresse, c'est que beaucoup de jeunes, y compris des responsables de fédérations LR, sont passés chez Zemmour. Oui. Donc, et ont des responsabilités aujourd'hui chez Zemmour. Mais donc, pas tous, Lydia. Il y en a beaucoup. Mais pourquoi les jeunes LR se mobilisent pas? Mais déjà, il n'y en avait pas beaucoup, des jeunes LR. Quand on faisait une réunion publique qui avait 300 personnes, s'il y avait 5 jeunes, on se disait, ah, génial, la fédération, elle est hyper jeune, c'est formidable et tout. Et puis, il fallait faire la petite photo pour démontrer qui. Mais là, c'était particulièrement, parce que j'ai connu l'époque avec Sarkozy, il y avait des jeunes, il y avait une ambiance, il y avait un enthousiasme, il y avait vraiment. Enfin, on avait envie de faire campagne. Là, il n'y en avait pas beaucoup, mais en plus, le peu qu'il y avait, beaucoup sont passés chez Zemmour. Ça va être un vrai challenge pour Pécresse. Mais c'est vrai que chez les écolos, il y en a. Il y en a beaucoup, et je salue les jeunes écolos, les jeunes générations. Les jeunes écolos. Christiane Taubira commence à attirer les jeunes dans ses réunions publiques. Bien. Et puis, il y en a chez Macron, et puis, il y en a chez Mélenchon, vous l'avez dit. Donc, c'est un enjeu. Moins au Parti Socialiste, et moins chez les LR. Les vieux partis. Les vieilles organisations politiques. PS, ils regardent Brunet et compagnie. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. On se retrouve demain à 22h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal Politique de minuit, Politique Insomniaque à minuit pile. Ce journal que la Terre entière nous envie, et pas seulement les pays francophones. Je me suis laissé dire que... Journal élargi, les Chiliens, ce soir. Journal élargi. Chacun un journal politique. Les Chiliens, les Argentins. Le journal le plus complet sur l'actualité, Eric. Très le journal le plus complet sur l'actualité. Un certain nombre de personnalités, de téléspectateurs de toute langue, en Iran, en Inde, un rêve désormais de regarder ce journal politique. Eric, je crois. C'est fini, là ? C'est fini. Merci. À demain, 22h. Salut.